Paris à TQS, vous verrez encore une fois beaucoup d'action. Tout d'abord en catégorie Pro-Am, l'équipe de Jean-Paul Charpentier, William Allary et Marcel Ouellet affronte celle de Marc-André Savard, Yannick Thomas et Jean-Luc Lambron. En grand... Maintenant, on va voir à l'œuvre l'équipe des Bleus, l'équipe de Marc-André Savard. Pour commencer, Yannick Thomas, vous parliez des jeunes qui ont 11 ans aujourd'hui dans notre tournoi Pro-Am. Eh bien, voici l'autre de 11 ans. Qui commence abat. Avec un abat. Bon. Nous devions avoir une moyenne d'environ 8-10 abats par partie régulièrement, si ce n'est pas plus. Même dans les matchs individuels tantôt. Plus capricieuse que la ligne numéro 14. On va voir. Non, celle-là, je pense qu'il l'a échappé. Oui. On l'a vu tout de suite dans le mouvement de son poignet, là. Il a tenté de retenir son geste, mais il était trop tard. Maintenant, Marc-André Savard, sur la ligne numéro 15. C'est beau, c'est beau. Oui, oui, un doublé. C'est Marc-André Savard pour reprendre les devants par une vingtaine de points. On va voir maintenant ce que Yannick Thomas va faire. Pratique beaucoup la planche à neige, Yannick Thomas. Un autre abat. Nous avons vu un lancer qui a débuté très loin du côté droit et est revenu dans le triangle. Un autre abat ici. Un autre abat. Et s'il y a une partie parfaite, c'est toujours possible dans notre match aujourd'hui. 5 000 $, gracieuseté des commanditaires que nous voyons à l'écran. Ce ne sera pas suffisant. Là. Ici, il faudra prier. Il faudra prier. Et demander un peu de collaboration de la part des Bleus. Ça va bifurquer du côté gauche. C'est un autre abat. Que des abats pour le jeune Yannick Thomas. Oui. Que des abats. Yannick Thomas joue depuis 2 ans. Sa moyenne actuelle est de 141. Son plus haut simple, 207. Cette fois-ci, on voit Jean-Luc Lampron. Un autre abat ici. Sur oh, la quel lancer. Quel lancer de qualité. Partie parfaite en début de saison. On va voir si nos Bleus d'aujourd'hui vont pouvoir réaliser ce même exploit. Oui. Bon. Alors, on revient à nos Bleus qui, eux, ils vont pour la partie parfaite. Ici, avec un autre abat immédiatement, ça prendra qu'une réserve au dixième. Ça va bifurquer. Est-ce que c'est bon? Oh, oui! La perfection pour le jeune homme, Yannick Thomas. 2 années d'expérience au quai, oui. Du Salon Quai du Parc à Saint-Eustache. Son plus haut triple est de 545 pour Yannick Thomas. Beaucoup de potentiel, ce jeune homme. Oui. Beaucoup, beaucoup de potentiel. Maintenant, son partenaire, Jean-Luc Lampron. Attention, c'est sur l'allée 4-15. Ça va être bon. Ça oui, être aussi. Bon. La victoire est assurée. Maintenant, on joue pour la partie parfaite. La partie parfaite. Attention. Alors, ça commence bien. Notre séjour au Salon de Quilles, j'ai plus la salle. Pour le moment, en tout cas, là. Un lancer où le monsieur Lampron. Oh, un peu mince. Et ça sera, on verra immédiatement. Marc-André Savard en relève. Monsieur Grondin. Ah, je ne suis pas un grand parieur devant l'éternel. Pas vraiment. Ah, je suis convaincu que Marc-André va être un peu nerveux, mais va quand même réussir. Les 3 abats. Comment ça regarde? Comment ça en blanc, hein? En oui. blanc, hein? Oui. Il n'en manque que 2. Que 2. En place pour une partie parfaite, mesdames et messieurs. Dans notre catégorie Pro-Am. C'est le pro de l'équipe des Bleus que vous voyez à l'œuvre, Marc-André Savard. Bon lancé. C'est main du côté gauche. Elle... Est-ce que ça s'est réussi? Oui! Haut! Cette boule! Bon. Il semblait... Ben, il en manque plus qu'un. Oui. Et avec un autre là-bas, on pourra partager le 5 000 $ réussi... un peu plus tôt cette saison. Oui. Oui. Il ne restera que 2 semaines pour des pro-âmes. Il y a beaucoup de pression là pour... Oh, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouh, oui! Bon! Oh, oui! 300! Est inscrit.
On avait prédit qu'on aurait de hauts pointages, mesdames et messieurs. Ici, ben, on commence avec une partie parfaite dans la catégorie Pro Am. L'équipe des Bleus de Marc-André Savard, Yannick Thomas et Jean-Luc Lampron ont réussi l'exploit. On s'arrête pour une pause publicitaire et on va...